Alors, il y a une chanson, Regarde autour de toi. Sébastien nous l'a envoyée en guitare-voix. Donc, c'était à l'époque, on était trois. On était donc Seb, moi et Seb Toulek à la guitare. Et du coup, il nous l'a envoyée pour la travailler. Et donc, on l'a travaillée chacun de notre côté. Et puis on s'est retrouvés en répète, voilà, à la jouer, 1, 2, 3, 4, pouf. Et en fait, ben, les parties que moi j'ai joué à la basse et Seb Toulek qui a joué à la guitare électrique, ben, ça se répondait parfaitement. Et en plus, on avait eu la même idée, quoi. Et ouais, j'ai trouvé super. Bah, il reflète l'esprit du groupe, un groupe uni, impliqué, qui regarde tous dans la même direction et qui ont envie d'avancer, d'aller de l'avant. Autrement, je pense pas qu'il y aurait toute cette énergie de mise dans la préparation des morceaux, dans les résidences et après à l'enregistrement ici. Donc j'ai passé quand même pas mal de répétitions, hein, de septembre jusque mi-janvier, où j'avais toujours mon cahier avec mes notes et avec les paroles, parce que j'aime bien aussi les paroles, ce sont quand même des chansons à texte, donc d'avoir les mots avec tous les points de batterie en fait, les accents, les coups de cymbales, les breaks, et je me repérais sur ces paroles-là, et c'est vrai que bah, pendant plusieurs mois j'en ai eu besoin. Jusqu'à la résidence qu'on a fait au Champ de Foire, à Plabennec, où sur cette résidence, pendant 3 jours, j'ai eu le cahier fermé, et on a vraiment joué live, on a vraiment mis l'intention jusqu'au bout des doigts, tous les coups lâchés, tous ensemble sur cette super scène, et c'était vraiment sympa. On a été accueillis par Erwan, et on a eu des conditions parfaites pour jouer, où justement on a pu peaufiner justement avec JB qui était arrivé pas longtemps avant, 3-4 mois avant. On a pu peaufiner les automatismes et peaufiner certains détails. Je pense notamment à un ou deux tempos. Voilà, on s'est retrouvé avec des chiffres précis sur les tempos des chansons. Alors j'ai des sons de base et après effectivement voilà, je joue toujours avec la même guitare, ma Strat, la vieille Strat que j'ai depuis 25 ans. Alors, Ailleurs, c'est une vieille chanson, et en fait, c'était avec un batteur il y a longtemps, et avec Seb Velli et Seb Toulek. Et je la jouais pas comme je fais là sur l'album. Après, le choix des micros, ça se fait souvent en les jouant en groupe. La façon où ça sonne le mieux, où ça se démarque plutôt de la guitare de Seb et du morceau. Mais après un morceau énergique, je joue plus en micro chevalet, un truc plus cool, en clean, je vais plutôt sur le micro manche. Voilà. Je la jouais plus bas sur le manche. Et en fait, à l'époque, j'avais moins de dextérité dans les doigts. Et du coup, ça bloquait un peu. Donc je me rappelle que le batteur de l'époque, il m'avait dit, mais pourquoi tu la joues pas plus haut? Donc du coup, on avait changé, mais juste, enfin pas la note, hein, mais juste voilà, d'endroit où la jouer. Et du coup, ça avait super sonné. Et voilà comment c'est arrivé sur l'album. Bah moi, je chez moi, au casque, ça c'est souvent assez tard le soir aussi. Bon, par contre, quand je suis pas traité, déjà j'ai tendance à me retrouver dans mon bureau studio avec mon casque et Ouais, si, Stéphane et Georges, c'est important d'en parler parce que ils ont contribué à jouer sur certaines chansons au départ et ils ont donné naissance aux chansons finalement avec nous. Avant que JB n'arrive. Les premières versions, par exemple, de mémoire comme ça, Quand vient le soir, ou Laisse les cons, par exemple, on les avait faites avec Georges. Le temps est roi, on l'avait faite avec Stéphane. Et voilà, ils ont fait partie intégrante, et moi, ils
ont été très importants. En fait, j'ai vraiment pas bossé entre les répétitions. J'ai surtout écouté les morceaux dans la voiture en allant au boulot tous les jours. Et le fait de les écouter, de s'imprégner de la chanson, c'est 75% du boulot. Parce qu'après, la technique, sur des morceaux après qu'on maîtrise techniquement, sur des rythmes binaires, simples, c'est vrai que l'intention qui compte, l'interprétation. Et c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé finalement sur la fin et début de cette année au niveau de la résidence. Je les joue souvent, il y a des choses qui arrivent spontanément, il y a d'autres qui sont plus... où finalement le morceau c'était pas du tout ça que j'avais commencé, mais c'est rigolo. Et le fait de se réécouter ce qu'on a pu enregistrer pendant la répétition, de le réécouter, c'est s'approprier la chanson et savoir l'interpréter. Et ça fait partie des trois quarts du boulot en fait. C'est pas comme un guitariste qui va devoir bosser ses gammes ou les choses comme ça. La batterie, c'est un peu différent. Alors, pour la chanson « Tu croyais quoi ?», ce qui... En fait, j'ai reçu la chanson, enfin, le guitare-voix de Sébastien Velli. Et j'ai entendu... j'ai ressenti l'ambiance mélancolique de la chanson et c'est ça qui m'a inspiré ma ligne de basse. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, cette chanson, faut que je la joue uniquement en slide. Là, ça, c'est toujours un moment assez sympa, assez magique de voir. D'ailleurs, j'ai toujours gardé les guitares-voix originales et quand je vois ce que ça donne après, ça donne toujours. Je trouve ça génial, quoi, ce que ça peut donner. Quand chacun comme ça amène sa partie. Et c'est vrai que quand on les joue pour la première fois, il y a certains titres qui sont arrivés d'emblée presque finis et on se dit waouh. Après il y a d'autres qui mettent plus de temps à venir ou on cherche plus, mais quand ça arrive le coup, on se dit rien que dès la première, on se dit oh, putain ça sonne, c'est quelque chose de magique quoi. Et la chanson Laisse les cons, donc là aussi j'ai reçu la partie guitare-voix de Sébastien. Et là c'est vraiment une ambiance gay que j'ai ressentie. Du coup, je me rappelle quand j'ai entendu la chanson, j'étais comme ça, là en train de me balancer et de sourire, comme les Beatles. Et donc c'est ça qui m'a inspiré la ligne de basse, un petit peu chaloupante. Non, après, non, il n'y a pas particulièrement de difficulté, vous êtes tous à votre place. Voilà, c'est...